Avant de commencer la vidéo, je voudrais vraiment faire un gros big up à mon pote Leros. Donc vraiment, si vous aimez le FIFA, n'hésitez pas à aller voir dans sa chaîne YouTube. Voilà, donc je la mets dans la description. Surtout, likez ses vidéos, commentez et abonnez-vous à sa chaîne. Ça me fera vraiment super plaisir. Ça lui fera vraiment super plaisir à lui aussi. Voilà, donc comme promis, je te rends ta petite dédicace, mon pote. Et voilà, donc moi, je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Et yep tout le monde, c'est Sprott, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement où je vais vous donner mon avis sur quelle prochaine console je vais prendre. Donc il y en a que deux de toute façon. Donc soit la Xbox One, soit la PS4. Enfin bref, avant tout cela je voulais vraiment faire, je voulais vraiment vous remercier pour les 187 abonnés, c'est vraiment super sympa. J'aimerais bien arriver aux 200 abonnés avant la fin de la semaine. Donc la semaine prochaine, avant le 5 ou le 6, enfin bref, je sais plus. J'espère vraiment pouvoir y arriver, ça me ferait vraiment super plaisir. Et d'arriver aux 300 abonnés avant Noël, ça me ferait vraiment encore super plaisir, encore plus. Enfin, je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc, on passe tout de suite au vif du sujet. Donc, quelle console on va prendre donc pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc, tout simplement, on a beaucoup réfléchi avec Joyce et on pense vraiment prendre la Xbox One. Donc, désolé pour tous ceux qui sont sur PS4 et qui voulaient jouer avec nous. On va voir, mais pour l'instant, on a vraiment envie de prendre l'Xbox One déjà pour le prix, parce qu'elle est beaucoup moins chère. Elle est à 279€ sur Amazon, donc sans jeu. Tandis que si on tourne sur une PS4, elle sera à 330€. Ça commence à faire un peu cher. Bon, c'est le prix d'une console. Mais bon, 279€, c'est vraiment... c'est abordable, on peut dire. Donc, pour l'instant, on s'est fixé l'Xbox One. On verra par la suite. Après, quel jeu est-ce qu'on va prendre? Donc, je pense qu'on va prendre un peu de GTA. Je pense qu'on va prendre GTA avec BO3. Donc, voilà, pour pouvoir vous proposer des gameplays sur BO3. Voilà, donc ça, c'est pour les consoles. Et je voudrais aussi vous dire... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pourquoi t'as pas acheté BO3 sur PS3. Tout simplement parce que pour moi ça servait à rien, parce que je vais bientôt changer de console dans moins d'un mois. Ce qui fait qu'en plus il n'y a pas le mode campagne, il n'y a pas le mode zombie, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc Black Ops 3 sur PS3 et Xbox 360, c'est vraiment pourri. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment de la grosse merde. Voilà. Donc en tout cas, c'est sûr que on va prendre une nouvelle console, les next gen, et qu'on va vraiment s'éclater avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant on s'est mis un objectif, c'est la Xbox One. Après on sait pas, peut-être que ce sera la PS4 ou peut-être les deux. Peut-être que lui va prendre la PS4 et moi la Xbox One, ou l'inverse. On sait pas encore, mais on aimerait bien prendre la même console. Ce serait vraiment super sympa, enfin super cool plutôt, pour jouer ensemble et pour jouer surtout avec vous. Donc dites-nous dans les commentaires quelle console vous avez. Donc mettez hashtag PS4 ou hashtag Xbox One, ça me ferait vraiment super plaisir. Et mettez console si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me ferait vraiment aussi super plaisir. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, ciao tout le monde.